وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سعيد بن المسيب رحمه الله un tabi'i, c'est-à-dire un tabi'i, c'est ceux qui ont vu les compagnons, un grand savant parmi les tabi'in. Il a vu quelqu'un après le lever de l'Fajr, quand l'heure de l'Fajr elle rentre, comme vous savez, il y a les deux rak'at sunnat al-Fajr. Il a vu quelqu'un, il faisait plus que deux rak'at et il était long dans sa prière. Il faisait 4 rak'at, 6 rak'at, et il faisait des soujouds, des ruku'a longs. C'est contraire à la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 2 rak'at légères. Il lui a interdit cela. Cette personne, elle a dit, mais Allah, il va pas me châtier pour la prière. Je fais quelque chose de bien, je fais la prière. Il lui a répondu quoi? Il lui a dit, non, Allah ne va pas te châtier pour la prière. Allah va te châtier parce que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant plus que ce qu'il t'a montré. Aujourd'hui, c'est ça les gens qui disent. Ils inventent des innovations. Et ils disent, mais Allah ne va pas me châtier, c'est pour le bien qu'on fait ça. Oui, tu fais pour le bien, mais Allah ne va te châtier pas parce que tu as aimé le prophète, pas parce que tu as voulu faire une adoration d'Allah. Allah va te châtier parce que tu as désobéi à ce qu'Allah t'a ordonné de ne pas faire d'innovation. Parce que tu as désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rajoutant des choses dans sa religion. Tu as falsifié, tu as changé, tu as dénaturé l'islam. Et ça, c'est grave. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.